Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, de la vidéo sera comme en très bonne santé. Allez-y, prenez la page 136 ou la Sfam Yus. Donc, il y en a qui me chauffent, je lis, akhra'o. Répète, je lis. Et ici, on a l'objectif. L'hadaf de ce cours, c'est lire un texte informatif. Un texte qui donne des informations. Alors, le titre, quel est le titre de ce texte? C'est l'eau sur notre planète. Pardon, l'eau sur notre planète. Ou bien le ma fil kawkab diana. Donc, la question, qu'est-ce que tu vois sur l'image? Ou bien, qu'est-ce que vous voyez sur les images? Donc, la première et la deuxième. Alors, je vois sur la première image des brebis. Donc, les brebis et les chèvres. Ou bien, une source d'eau. On dit manba ma'i. On dit les arbres, les achjar. On dit les montagnes. D'accord. Deuxième image, on a la mer. Le petit bateau, je vois sur la deuxième image, la mer, le bahar, un petit bateau, bateau serre, des nuages, le ciel est bleu. Bien, alors, l'eau sur notre planète, charhna le titre. Maintenant, on va passer à la lecture du texte. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la terre. Il y a c'est très bien. Alors, l'eau salée, le ma'al malih, se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. Donc, le ma'al malih, c'est le kawah, le bihar ou le mouhitat. L'eau douce, le ma'al adb, se trouve en petite quantité dans les lacs. Donc, le ma'al adb, les kancharbou, bien sûr, qui est une rib qui m'y a sghera. Dans les lacs, le bouhirat ou le anhar. L'eau douce est nécessaire à la vie. Donc, le ma'al adb, des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. C'est pour cette raison, il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements. Les comportements, comme le gaspillage, répète, le gaspillage. Ou bien, et la pollution, ou tchelawout. Bien, donc maintenant, nous passons le muraja'at, les sons. D'accord? Je révise des sons. Le son ou recouvre, se trouve douce. Le son ou, le son u, maintenant, le kiktiktivaka y, surface, polluer, pollution, s'il vous plaît, insistez là, lu, c'est pas li. Bzaf de nes, bzaf de l'ichol achawet, li kan brin shkarhom bzaf, y'audou yissahou la prononciation, l'articulation, d'accord? Donc, celle ou mehet, les mamans li kechoufouni ki brin qari ou lidatoum, essayez de répéter avec moi, bach kadouzo, une bonne prononciation, l'enfant dielk. Raledou aussi li hinti wahad l'chata, rakib kafih dima, bhal de banaka lahad la grenouille, gar les enfants, skaliban ki goulou la grenouille. صعيب باش كتحيدها لهم كتبقى لا غرونوي لا غرونوي يا لو سون وي ما كايناش وي دابا كاع المهم كنبغي نقول لكم عاودوا سيفو بلي افيك مو بور بيان برونونسي وعندي هنا لو سون ل ال سالي لي لاك لا ال بولوي ايل بولوسيون عندي هنا لو سون ان ان ا ان دونك غراند ان كونتيتي دون اوسيان فيفون امبورطون كومبورتمون تري بيان. Maintenant, je lis et je comprends. Aqra ou afham. Entoure le mot qui correspond au dessin. Donc, gadi ndour ala lkelma li katmchi ma l'image ou le dessin. Donc, c'est la terre, bien évidemment. Andi hna li les phrases, écrit vrai ou faux. Donc, nqra ou ljoumal ou nchrahouhom ou nksbou. L'eau recouvre une petite surface de la terre. Gal lkelma kayghti lina ghir wahed nisba sghira dial l'ard. C'est faux. Donc, l'eau recouvre une grande surface, mais une petite. L'eau douce se trouve en grande quantité, donc non, c'est faux, il est important de préserver l'eau, oui, bien sûr. Alors, passons directement, je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. Donc, pourquoi faut-il préserver l'eau douce? À votre avis, pourquoi? Parce que l'eau est nécessaire à la vie, ou l'eau est importante à la vie, ou bien l'eau est indispensable à la vie. Et il met d'arour il hayat.
Donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? L'eau est précieuse. On a dit que l'eau, c'est un nom féminin. Ismo enneth. Donc, on dit une eau. Ou bien une eau, mais c'est un eau. Très bien, maintenant, donc l'eau est nécessaire à la vie. Hayek, c'est le comme j'ai ouais. Passons maintenant, complète la phrase avec les mots. Donc, on dit que le jumla, c'est le kalimat mer, grande, salée, océan. Donc, on a ici l'eau salée, le melh, se trouve en grande quantité dans les océans. Donc, il y a le mohitat et les mers. Donc, je vous dis que l'eau salée, les kain bzaf. Comment vous dites, merci beaucoup. Ma vidéo touche à sa fin. Comment vous dites, je vous aime très très fort. N'oubliez pas les j'aime. N'oubliez pas de, bien sûr, d'aimer la vidéo. Il a j'bet comme le contenu. Comment vous dites, je vous aime. Au revoir.